Coucou, donc on se retrouve dans l'update du Project Pan. Je vais vous montrer tous les produits que j'ai utilisés. Certains je les ai utilisés beaucoup, d'autres pas beaucoup, enfin beaucoup, c'est relatif, d'autres pas beaucoup. Et il y en a que j'ai pas du tout utilisé, que je vais pas vous montrer. Ce sont les deux lipsticks de chez Colourpop. Je les ai pas utilisés ni l'un ni l'autre. J'utilise soit des glosses, soit les rouges à lèvres de mon projet de Pan. Donc, d'abord, j'ai fini un produit. Sans grande surprise, c'est le parfum Rituals, le Soul of Me. Alors, il y en a un petit peu, mais ça se spray plus. Genre, vous voyez, il reste un petit fond, mais ça sort plus, ça se spray plus. Donc, ben, il est fini. Je suis très contente de l'avoir terminé, mais un peu triste parce que je sais que je ne pourrais pas le racheter. Parce que c'était avec la collection Ritual of Holy qui était sortie, il me semble. Ça fait déjà un petit moment. Et c'était mon deuxième flacon que j'avais retrouvé genre, dans des soins, dans une boutique, voilà quoi. Mais il est fini, fini, donc ça, voilà quoi, c'est fini. J'ai glissé là. Ensuite, un soin. Le baume à lèvres à l'abricot, je l'ai utilisé quelques fois. Et en fait, j'utilise plutôt le soir, donc de manière intensive. Et du coup, ça descend bien. Je suis assez contente. J'ai pu faire une nouvelle ligne, parce que la dernière fois, je n'avais pas fait de nouvelle ligne. Donc voilà, ça progresse. Il me reste du coup pas. En fait, j'ai fait, je pense, la moitié, à peu près, un peu plus de la moitié parce que, en fait, la moitié, ça serait s'il commençait ici, sauf qu'il commençait en haut. Donc, je suis assez contente de moi. Il me reste encore tout ça. Je pense que, en fait, je pourrais le finir cette année, mais le troisième baume à lèvres que j'avais mis, le hydrogel à la vanille, lui, je ne l'ai pas entamé et je pense que je ne l'entamerai pas. Il sera. Empire restera dans les backups, mais pour celui-ci, j'ai bon espoir. Ensuite, le sérum, alors c'est pas un sérum, c'est un night peeling au charbon d'Himalaya de chez The Body Shop. Alors, moi, je l'utilise comme un sérum en fait, mais pas tous les soirs. Donc, en fait, je l'utilise comme un sérum, mais je ne le mets pas tous les soirs. Il était en fait, je sais pas où il était la dernière fois parce que j'ai trouvé que celle-ci, mais date d'il y a un petit moment. Donc là, j'en suis. Ah oui, là. Ah oui, donc la dernière fois c'était au-dessus de l'étiquette et là c'est vraiment ici à l'étiquette. Donc noir sur noir, là je penche la bouteille pour vous voyez, mais sinon voilà. Donc ça progresse doucement. Pareil, j'ai bon espoir de le terminer. Après là c'est vrai que cet été en général j'ai pas fait de soins quasiment. J'ai fait des sheet masks et tout ça, mais des soins comme ça réguliers, j'ai pas fait de sérum. Les crèmes oui, mais sérum, baume à lèvres, exfoliant et tout, bof. Donc là, ça ira mieux, disons, à l'automne-hiver. La crème au charbon de chez Wow Factory, donc je la tiens comme ça maintenant, parce qu'en fait, elle est tellement liquide que si je la laisse retourner, elle coule, mais vraiment, elle coule, ça en fout partout et tout. Donc j'ai descendu un peu. Je l'ai utilisée en moyenne un jour sur deux. Donc ça fait une quinzaine d'utilisations. Elle est là et je la descends bien jusqu'ici. Voilà, elle est là. Ça aussi, j'ai bon espoir de le terminer. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ensuite, pour le make-up, la base à paupières You Candy, j'ai fait une grande avancée, mais en fait, surtout, j'ai vraiment bien bien appuyé pour qu'il n'y ait plus de bulles d'air et tout. Et du coup, quand j'appuie, j'arrive jusqu'ici. J'ai fait un petit trait de nouveau au vernis là. Donc, je suis contente. Par contre, elle commence à avoir du mal à sortir. Elle commence à être un peu plus épaisse et tout. Donc, si je ne l'ai pas terminée à la fin de l'année, je m'en débarrasserai parce que je ne veux pas qu'elle soit périmée, qu'elle tourne ou quoi. On reste avec les yeux. Le crayon Long Lasting marron de chez Essence, je l'ai utilisé quelques fois. Pas énorme, mais quelques fois. Donc il reste tout ça encore à utiliser. Je sais pas si je l'aurais terminé cette année ou pas. En tout cas, ça avance bien. Mais ben voilà, il est là. Le crayon Yves Rocher, j'ai utilisé seulement deux fois. Donc ben, il n'avance pas. Enfin, deux fois, il n'y a pas d'avancée. Il reste tout ça. Sauf que pour cette année, c'est mort. Mais c'est la première fois que je mettais un crayon à lèvres en Project Pan. Je vois maintenant comment ça se passe. Et j'en remettrai pas. Ensuite, le gloss Jeffree Star, je l'ai très peu utilisé ce mois-ci. Donc, ben, en plus là, je l'ai remué et tout, donc ça se voit pas trop. Mais comme je vous dis, si on oublie ce qui est sur les parois, à l'intérieur, il y en a jusque là. Donc, voilà. Après, là, il y en a beaucoup sur les parois. Normalement, si je laisse droit, il y en a beaucoup moins sur les parois. Mais après, il y a toutes les parois. Et l'highlighter, je l'ai utilisé quelques fois et j'ai fait un nouveau trait. Alors, c'est pas une grande différence. Mais comme je vous ai dit, là, alors pas en octobre, parce que, enfin, pas en septembre. Parce qu'en septembre, enfin en septembre, je vais maquiller normal, quoi, donc je vais l'utiliser. En octobre, il y aura les maquillages Halloween où je pense pas vraiment l'utiliser. Par contre, en novembre, je vais
highlighter la face. Du coup, ça va descendre d'un coup. Si tu veux même mal finir d'un coup, je le ferai. Donc voilà, du coup, c'est tout pour cet update. Évidemment, il y a de moins en moins de produits. En plus, j'utilise pas tout là cet été. Donc voilà. Si, attendez. Il y a une petite update pour la palette. Alors, la palette, il y a un nouveau pan et surtout, j'ai enlevé un fard. Donc, le nouveau pan, c'est dans le gris. Il est là. Le gris, vous voyez le pan là. Et j'ai enlevé le fard à paillettes là. Parce qu'en fait, déjà, je ne les utilise pas. Franchement, j'aime pas du tout. Mais en fait, surtout, à force, des fois, j'avais des paillettes qui se mettaient un peu partout. Donc, c'était pénible. Donc, je l'ai enlevé. Enfin, je l'ai enlevé. Comme ça, il ne gonfle pas. Je l'ai jeté. Basta. Donc, ce fard là était déjà fini. Donc, j'ai terminé 4 fards. 5 fards. 5 fards, j'ai terminé. J'ai terminé 5 fards. Celui-là, il n'était pas panne, mais il était bien creusé. Donc, maintenant, il est panne. Et nouveau panne qui est apparu, le gris. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce gris. Il est très bien. Et en fait, au début, je m'étais concentrée sur celui-là, mais c'est plus un gris marron, un peu top. Et celui-ci, c'est plus un gris plus froid, donc je préfère. Du coup, enfin, plus froid, mais plus froid. Du coup, je le préfère. Donc, je me suis plutôt concentrée sur ça. Après, j'utilise souvent le orange et le rose-rouge, là, comme ça. Donc, il s'utilise aussi. Là, celui-là, il commence à être glacé. Il y a plein de petits genre grumeaux dessus, là, il est glacé. Celui-là aussi, parce que j'utilise souvent au doigt. Donc, voilà, c'est ça. Celui-là, il se creuse petit à petit. Et celui-là aussi, il se creuse là, le rose là, pareil, il commence à avoir des petits grumeaux. En fait, tous les lumineux, quasiment tous, pas tous, mais les lumineux que j'utilise, ils ont tous des petits grumeaux dessus. Donc il faudrait que je les gratte un peu, mais j'ai peur de. Enfin voilà, j'ai peur d'abîmer, enfin d'abîmer, de faire trop, je sais pas. Je verrai bien. Donc voilà. Et celui-là, j'ai pas raclé le bord, mais je pourrais raclé le bord d'ici la fin de l'année sans problème. Donc voilà, je suis très contente que la palette avance, même si le reste avance pas trop. Donc voilà, cette fois c'est vraiment terminé pour cette update. N'hésitez pas à me dire si vous aussi en été en général il y a une baisse de la consommation parce qu'en fait moi il fait tellement chaud et tout que je ne maquille pas. Parce que sinon déjà j'ai des goudines de base mais je n'ai pas des goudines avec du make-up quoi. Et puis en plus plage, piscine, machin et tout, bah, je ne maquille pas donc voilà. Du coup, je vais vous laisser là.